on m'a demandé si je peux accepter que je fais partie des gens qui ont lancé les grenades dans la ville de Kigali. J'ai refusé, c'est pourquoi j'ai été torturé gravement. Dans la salle d'interrogatoire, il y avait beaucoup d'outils qu'on utilisait pour la torture. Il y avait des câbles, il y avait des machettes, il y avait des bâtons, il y avait même des matraques qui sont utilisées par les policiers. Donc celui qui était interviewé pouvait utiliser n'importe quel outil qu'il voulait. Mais pour moi, plusieurs fois, on a utilisé les matraques et les câbles électriques. On m'a mis le sachet, le gros sachet. On m'a couvert ma tête, on m'a fermé au niveau du cou. J'ai dit d'uriner, j'ai même fait le caca puisqu'on m'a privé d'oxygène. On m'a dit de répondre correctement, sinon je ne veux pas que le corps répète. Par après, on m'a frappé des coups de bâton sur ma tête. C'était grave si on vous fait battre avec le courant. Ne fût-ce que quelques secondes, vous tombez sur terre.